Voilà une autre réponse blanche, c'est la poussée D3. Les blancs ne jouent pas D4 au premier coup, ils jouent D3, vous allez voir, avec un pseudo-gambit terrible. Par exemple, les blancs jouent cavalier F3, on a déjà vu ce coup ici. Et il est vrai que dès le coup cavalier F3, la question se pose, est-ce que c'est pertinent de jouer F5? Déjà, si on joue F5, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, dans un autre chapitre, pardon, de cette vidéo de présentation, on peut jouer cavalier F3, F5, voilà, et on peut jouer le gambit pire que les sixtines. Est-ce qu'on est prêt ou pas là-dessus? Je sais pas. On pourrait jouer aussi D5 et jouer F5 plus tard, mais là on peut subir le gambit Tennyson. En fait, cavalier F3 pose pas mal de problèmes. Sinon, on peut jouer cavalier F6, C5 ou d'autres systèmes. Si on veut tenter notre chance au niveau du Stonewall, on joue F5, tant pis pour le gambit Les Sitsin, ou alors je connais, ça ne me dérange pas de jouer ce truc-là, le gambit Les Sitsin. Mais les blancs peuvent jouer tout à fait tranquille avec G3. Donc on se dit, ok, cavalier F6. Fou G2, la vie belle, je connais. J'ai joué un truc que je connais. Je maîtrise, je vais gagner. Voilà, la vie est belle, tranquille, tout se passe bien. Mais les blancs n'ont toujours pas joué le pion D. Alors, si on fait comme j'ai fait il y a quelques années, il y a 15 ans, à Marseille, ou plus, ça va être dans ces eaux-là, c'était l'été, et je joue contre un grand maître. C'est un grand maître russe qui traînait dans les, je sais plus son nom, qui traînait dans les tournois, bon, c'est un mec à 2005 et plus, quoi. Plutôt jeune, mais pas très vieux non plus. Chemise d'hiver à carreaux, short bretelles, sandales et chemise d'hiver, en plein été à Marseille. Bon, mais grand maître quand même, quoi. Je dis ok, on va s'amuser. Et là, je joue D5 tranquille, j'ai installé mon Stonewall, j'ai tenté ma chance. Hein. C'est un grand maître, je suis mal barré, mais j'ai tenté ma chance. Et là, il me joue D3. Ouais, je lui dis ok, D3, ben ouais, c'est un coup comme un autre. Il veut jouer quoi? E4, j'y suis trois fois. Par les pions. Et le cavalier, non, moi je sais pas, je joue des jeux C6 ou fou D6, admettons fou D6. Le mec, tout grand maître qu'il aime, joue cavalier C3, il a le droit. Ouh, E4, E4, il veut jouer E4, et non, je suis trois fois. Il est 1, 2, et moi je suis 1, 2, 3, il peut pas, il peut pas. Donc je suis petit roque, et là le mec, tout grand maître avec ses sandales et sa chemise d'hiver en plein été, il me joue E4. Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais qu'est-ce qu'il veut? Il me file un pion. Ouf, le grand maître, il me file un pion. Il a gaffé ou quoi? C'est quoi cette embrouille? Donc, on va prendre. Je gagne un pion, non? Ouais, j'ai dû prendre avec le pion. Je sais plus quoi. Mais j'ai pris en tout cas. F prend, bah, peut-être celui-là. Et je lui dis que je prends un pion. Alors, je sais plus si j'ai pris avec le pion avec lequel je me dis, tiens, je gagnais un pion. Et je me dis, là, j'ai gagné un pion. Putain, j'ai gagné un pion. Et hop, il est là. Ouh, bon, hein, depuis le temps, après, c'est connu, ces motifs. Hein. Et d'un seul coup, le pion E4. Et non, 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 non. Le pion E4 et E6 sont faibles, isolés sur une colonne ouverte. C'est le pire. Bon, ben, on a appris quelque chose sur le truc. C'est qu'il faut surveiller le pion D. Bon, ok, on va reprendre nos esprits. Ouais, et on apprend toujours quelque chose avec les grands maîtres. Hein. Donc là, F5, G3, cavalier F6, E6, D5, fou D6. Ah, parfois, je vois cavalier BD2, vous allez voir une différence. Petit roque, E4. F prend E4, D prend E4, D prend E4, et G5. Là, c'est moins grave parce que là-dessus, on joue E3. On redonne le pion, chacun sa faiblesse structurelle et la partie est jouable. C'est la différence entre cavalier C3 et cavalier BD2.
Donc, bon, après, ça marche, hein, sur le KC3, regardez, côté blanc, ça marche, hein, parce qu'il y a une variante, parce qu'il y a une variante que j'ai oubliée. Non, petit roque, ici, et si on joue F prend E4, ça revient au même, et si on prend, non pas que le pion, mais avec le cavalier, on dit, voilà, c'est pas pareil, là, non, c'est, ouais, c'est pareil, ça perd un pion, le cavalier prend, les blancs s'adaptent, prennent, là, et c'est la même. Et là, on n'a plus E3, parce qu'il y a fou prend. Bon, on perd vraiment un pion. Bon, ça va. Ok. Bon, on fait quoi, là? On fait quoi, là? On renonce au stono, là, c'est quand même terrible. Donc, sur KC3, ici, vous avez une piste de travail. Petit roque, E4. J'ai trouvé une partie Baumerger-Kochnik, mais on souffre avec les noirs, donc je vous déconseille. Mais ok, vous voulez la voir? Ok, vous voulez la voir? On souffre. Là, je vous l'aurais dit. Non, pion prend. Non, ils ont pris avec le pion D. D prend. Mais ça peut intéresser certains. Ah oui, le coup fou B4, hein, tout tient pour l'instant. On a l'impression. Donc il y a eu E prend F5, E prend F5, et on s'aperçoit que structurellement, c'est kiff-kiff-bourricot. On est à peu près développé. Il faut surveiller le roi noir sur la diagonale là. Ouais, bon, ça devrait tenir. Mais les blancs, ils n'ont pas lâché les noirs là. Ils ont joué cavalier B5. Avec la menace dame prend dame et surtout le pion C7. Donc, D7, ça c'est bien. Ça empêche les dames de s'échanger. Et puis on pose la question au cavalier B5. Donc, dame E2 vicieux. Dame E2, c'est vicieux. Hein. Ça protège le cavalier, mais ça menace en même temps dame C4 là. Les mecs, ils sont mal élevés. Là, donc, roi H8, un coup bien utile, prophylactique, indispensable. Et dame C4, il pose la question au fou. Donc, moi, je me développe. Il pose la question au fou et au pion. Donc, moi, je me développe. Qu'est-ce qu'il va me faire encore depuis tout à l'heure? Il m'agresse. Fou F4, putain, il se développe. Il va jouer tour D1, clouer mon fou D7. Le pion C7 est attaqué. Fou A5, je souffre. J'ai encore des coups. Jusqu'à quand? Là, il cloue, évidemment. Hein. Là, 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 là. Là, la menace, c'est cavalier prend F5, le fou D7 est cloué. Donc, je me décloue et je protège. En plus, il y a un autre problème là. Là, mais c'est terrible. J'étais tranquille. Et... Donc, là, dame B3, il attaque deux fois le pion tour B8. C'est glorieux. C'est quand même pas mal de jouer aux échecs, d'être obligé de jouer tour B8, quoi. On a du talent là. Hein. Après, il y a eu C3, fou là, et puis après, ça s'est terminé. Bon, bref, on va abandonner. Non, c'est trop la souffrance. Il faut quelque chose de plus sérieux. Il faut quelque chose de plus sérieux. Il faut quelque chose de plus sérieux. Je vous propose ça. Mais on sort un peu du tonneau, voilà, vous m'en voudrez pas. Donc, F5. J'ai trois cavaliers là. Et fatch 2, comme on dit à Marseille. De toute façon, ça se joue à Marseille à l'époque. L'Hollandaise à Marseille, c'est la moindre des choses. Donc, petit roque, il n'a pas joué le pion D. Donc, je vous donne une petite astuce. Vous commencez par, on va dire, la vente classique du Stonewall. Et vous voyez, et si vous avez de la chance qu'il joue ça, vous basculez dans le Stonewall. Vous basculez dans le. S'il joue D4, évidemment. S'il joue D4, rien. S'il joue pas D4, s'il joue un autre coup, eh bien, ne jouez pas le Stonewall. D'accord? Vous pouvez vous développer par fou E7 et puis la jouer comme la vente classique. Bon, pour ceux qui connaissent, à la limite, vous pouvez jouer tôt ou tard B6 peut-être. Et fou B7 et jouer une bird en second, la seconde forme de la bird en second. Pour ceux qui suivent, bon, c'est sur mon blog, tout est expliqué. Donc, c'est une piste de travail. Donc, voilà pour la poussée D3. En fait, c'est tout simple, c'est que ce soit cavalier F3 ou autre. Si vous voulez jouer le Stonewall et que les blancs n'ont pas joué le pion D3. Le pion D, pardon. Méfiez-vous. Hein. Je pense que soit vous jouez radicalement autre chose. J'ai dû vous le dire. Hein. Vous jouez C5, cavalier F6, ou un peu ce que vous voulez, G6 ou autre. Soit vous jouez une Hollandaise, en effet. Bon, il faut être prêt sur le gambit pire que les sites, c'est-à-dire E4. Ça doit être par là. Soit vous la jouez.
tant qu'il ne joue pas le pion D, vous la jouez comme une hollandaise classique. Encore faut-il avoir travaillé l'hollandaise classique et un peu la maîtriser en fait, petit roque. De toute façon, les grands maîtres jouent beaucoup hein, sur les coups D6, E6, E6, D6, puis ils n'ont pas peur de rebasculer dans. Ils n'ont pas peur de rebasculer dans D5. Quitte à jouer le pion de D en D6 une première fois et D5 une seconde fois. Donc je pense que j'ai tout dit pour le pion D qui n'est pas joué en D4, mais qui est joué en D3 avec ce pseudo-sacrifice en E4 à surveiller. Au passage, côté blanc, si vous jouez contre quelqu'un qui joue l'hollandaise, vous pouvez utiliser cette arme-là.